You know everything. Tu sondes le rein et le cœur. You do check the heart and everything. Tu avais dit ce jour-là à Abimelech. You said that day to Abimelech. Parce que tu as agi avec un cœur pur et les mains innocentes. Because you did act with a heart, a clean heart and innocent hands. Seigneur, tu vois la relation qui existe entre nos bouches et nos cœurs. Lord, you see what is happening between our mouth and our heart. Entre nos actions et nos cœurs. Between our action and our heart. Rien ne peut être caché devant ta face. Nothing can be hidden before in front of your face. Nous voici encore une fois de plus devant ton trône de grâce ce soir. We are once more in front of your throne this evening. Venir humilier nos âmes. To humble our soul. Reconnaître que sans toi nous sommes rien. To acknowledge that without you we are nothing. Accepte de nous édifier. Accept to edify us. Parle dans nos cœurs. Speak in our heart. Console. Comfort. Fortifie. Fortify. Exhort. And exhort. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Nous avons ainsi prié. We pray so. Amen. Amen. Bonsoir. Good evening. Nous voulons vous exhorter avant de continuer la prière. We're going to exhort a little bit before carrying on with the prayer. Je vous ai promis que nous allons faire une série d'exhortations. I promise you that you're going to do a series of exhortations. Sur des sujets importants dans notre vie. About important subject in our life. Il y a beaucoup de gens qui prient. There is many people that pray. Les réponses tardent. But there is the answer does come late. Il y a beaucoup de gens qui se confient réellement au Seigneur. There is many people they are really confiding themselves to the Lord. Des jeunes qui prient. Who are praying and fasting. Mais la réponse tarde. But the answer always comes late. Les choses deviennent difficiles. The things are getting difficult. Est-ce la faute du Seigneur? Is it the fault of God? Est-ce nous prions selon sa volonté? Do we pray according to his will? Qu'est-ce qui nous manque? What is lacking from us? Ce sont de telles exhortations que nous aurons durant ces séries de prières. It's those kind of exhortations that we're going to have during the series of prayers. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il est écrit. We are in Matthew chapter 6, verse 6, it is written. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. But when you pray, go into your private room and after shutting your door, pray to your Father who is in secret. Then your Father who looks on the secret will repay you. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui explique la position, la forme et comment est-ce que l'homme doit prier pour qu'il soit exaucé. Here is the Lord Jesus Christ showing the position and the place where the person needs to pray. Il dit, quand tu pries, he say, when you pray, entre dans ta chambre. Enter in your room. Il précise, il ne dit pas d'entrer dans la chambre d'autrui, mais dans ta chambre. Is that precise? Not saying that you have to enter in another one room, but your private room. Donc si je veux prier, il faut que je connaisse tout d'abord ma maison, ma chambre. If I want to pray, I have to know first my house and my room. Dans la maison, peut y avoir plusieurs parties, salon à manger, tout consomme. Mais Dieu dit, entre dans ta chambre. In the house, you might have the lounge, you might have many rooms, but Lord say, enter in your room. Je me pose la question pour les gens qui dorment au salon, les gens qui n'ont pas de chambre, si Dieu peut aussi les exaucer, parce que ici Jésus-Christ dit, si tu pries, entre dans ta chambre. I'm asking myself question, those who are sleeping in the lounge or those who don't have the room, how God is going to answer them? Because the Bible says here, when Jesus Christ says, enter in your room. Maintenant, la chambre, c'est-à-dire ma chambre, ta chambre, signifie quoi? Now, the room, my room, your room, what is the meaning of that? Et il s'arrête pas là, il dit, si tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. And he didn't stop there, he said, when you enter your private room, close the door. Je dois découvrir premièrement ma chambre. It means that I have to discover firstly my room. Entrer. Enter. Et si je prie la chambre, ça
dit, je suis dans la chambre, mais la porte ouverte, Dieu ne m'a pas exaucé. It means that que j'entre dans ma chambre et que je ferme ma porte. It means that if I enter my room and then Lord don't close the door, Lord is not going to answer me or listen to me. So I have to enter the room and lock after me. Prie Dieu dans le lieu secret. Pray God in a secret place. C'est-à-dire qu'on doit prier dans le secret. It means that we have to pray in a secret. Il faut maintenant s'examiner, nous prions, est-ce que nous respectons cette procédure? We have to check ourselves and see if we do respect these procedures. Nous sommes maintenant dans l'assemblée, nous prions, nous sommes dans des séries de prières. We are now in the assembly, we are praying in a series of prayers. Est-ce que chacun de nous doit aller chercher sa chambre? Mais ici nous sommes dans l'église. Does each and every one of us have to go look his room? We are here in the service. Moi je crois que ce que Dieu parle ici, I believe that what God is speaking here needs to be explained. Et nous devons comprendre, and we have to understand, la chambre signifie quoi? And what is the meaning of the room? La porte qui doit être fermée signifie quoi? The room that needs to be locked after, what the meaning of that? Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à l'étude de sa parole. I want the Lord to add explanation in the reading of the book. Mais nous avons vu un prophète. But we saw a prophet. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 33, in 2 Kings verse 4 verse 2 Kings chapter 4 verse 33, nous cherchons un prophète, nous allons voir comment est-ce qu'il a prié. We looking for a prophet, how he did pray. 2 Rois chapitre 4, 2 Kings chapter 4 verset 33. Verse 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria le Père. Elisa went in and closed the door behind them both and began to pray to God. C'est-à-dire, en réalité, in reality, la maison de cette femme était composée de plusieurs pièces. The house of that woman was had many rooms. Mais la sœur là avait compris que Élisée ne peut pas habiter dans n'importe quelle chambre. Elle a bâti une chambre pour Élisée. So that sister knew that Elisa cannot dwell in any room, so he built the upper room for Elisa. Et devant le problème, and in front of the problem, the difficulty, difficulties, Élisée n'est pas entré dans n'importe quelle chambre, mais il a cherché sa chambre. Elisa didn't go in any room in front of the problem, but he went inside his room. Il monta. He went up et ferma la porte and closed the door behind him. So we understood that what the Lord Jesus Christ is explaining in Matthew chapter 6 verse 6. Il n'a pas commencé là. It didn't start there. On a vu aussi le prophète Élisée. We saw also the prophet Elisa entrer dans sa chambre, entering his room, fermer la porte, locking the door. C'est-à-dire Dieu n'exauce pas dans le lieu public. It means that God doesn't answer in the public place. Mais il faut que les gens soient capables d'entrer dans le secret. People have to be able to enter in a secret place. Je vais vous expliquer d'une manière très simple. I will explain to you that in a simple way. Parce que Dieu lui-même, because God himself, l'intercession ne se faisait pas à l'extérieur. The intercession was not being done outside. Exode chapitre 25. Verset 22 jusqu'au 23e verset. Exodus chapter 25, verse 22 up to 20. Quand Dieu a bâti sa maison. When God built his house. Exode 25:2-8-9, il avait dit. Exodus 22nd verse 2. Vous recevrez de une offrande. You will receive an offering. Vous bâtirez une maison. You will build a house. Je viendrai habiter, c'est-à-dire Dieu a quitté le ciel, il est entré dans un corps, dans une tente qui est appelée tabernacle. C'est ça la maison de Dieu. I will build a house. So God left the heaven and came to stay inside the tent. This is the house of the Lord. Donc le tabernacle était la maison de Dieu. The tabernacle was the house of the Lord. Le tabernacle était composé de. The tabernacle was had those parts. Vous avez les parvis. You do have the outside court. Extérieur, as the outside court, vous avez le lieu saint, you do have the holy place, vous
vous avez le lieu très saint. And you do have the most holy, holy place. C'est-à-dire que quand je parle de la maison, it means that when I'm speaking about the house, vous avez trois parties dans cette maison. You do have three rooms in this house. Vous avez le parvis, you do have the outside court, le lieu saint, the holy place, et le lieu très saint. And the most holy place. Vous retenez ça bien? Do you keep that very well? Vous retenez ça bien? Do you follow me very well? Je vais vous expliquer où se trouve la chambre. I will explain to you where the room is. C'est que vous avez le parvis. It means that you do have the outside court, le lieu saint, the holy place, et le lieu très saint. And the most holy place. Le parvis. The outside court. Tout le monde venait. Everybody was coming. Donner l'offrande. Giving the offerings. Lieu saint. The holy place. C'était comme salon à manger. It was like the lounge, lounge. Parce qu'il y avait la table de pain de proposition. Because it was the table of the bread of proposition. Mais la voix de Dieu ne sortait pas dans le parvis. But the voice of God were not coming outside of the outside court. Ni dans le lieu saint. Neither in the holy place. Mais Dieu répondait dans le lieu secret. But God was answering in the secret place. Exodus 25, 26. I want you to keep very well the text so you may understand what we're teaching. Exodus 25, 22, 23. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placé sur l'arche du témoignage, oui. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Donc Dieu parlait. God was speaking. Sa voix sortait. His voice was coming out. Au fond. In the deep side. Dans le lieu secret. In the secret place. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. C'est-à-dire si vous venez dans le tabernacle. You mean, when you come in the tabernacle. C'est la maison de Dieu. It is the house of God. J'explique que quand vous voulez prier, il faut entrer dans la chambre, c'est-à-dire dans le lieu secret. It means that if you want to pray, you have to pray in, you enter your room in the secret place. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs. That is why the most high priest. Ne s'arrêtait pas dans le parvis. We're not stopping in the outside court. Ni dans le lieu saint. Neither in the holy place. Il entrait dans le lieu très saint parce que c'est ça le lieu secret. You were entering the most holy place because it is the secret place. Donc quand Christ dit, when Christ is saying, pendant la prière, il faut aller. During the prayer, you have to enter. Et fermer la porte. And close the door. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être aussi à l'extérieur. Il y a des bruits. God cannot answer outside where there is noises. Neither in the passage, neither or the balcony, neither in the lounge. Avant que Moïse construise le tabernacle, before Moses building the tabernacle, Dieu l'avait déjà dessiné. God did draw it already. Dans le livre d'Exode chapitre 24, in the book of Exodus chapter 24, le texte dit ceci le matin. The text is saying in the morning, Moïse offrit au pied de la montagne. Moses offered in the feet of the mountain. Il monta sur la montagne. And went up on the mountain. Il a mangé avec l'Éternel et les anciens. He ate with the Lord and the elders. Vous voyez? Do you see that? Le pied de la montagne. The feet of the mountain. C'est ça le parvis. It is the outside court. Le milieu de la montagne. The center of the mountain. C'est ça le lieu saint là ils ont mangé. It is the holy place where they did eat. Mais Dieu n'a pas parlé là-bas. But God didn't speak there. Dieu pour répondre à Moïse. But God to speak to Moses. He said, go up again. And Moses went on the top of the mountain. It means that to listen to God, you have to go out from the outside, go forward, and move forward. Up to you, you will discover the secret place. Donc Dieu respecte sa propre parole. God does respect his own word. Enseigner d'entrer dans le lieu très saint, lui-même est entré dans le lieu très saint. Before teaching us to enter the holy place, the most holy place, himself went inside the most holy place. C'est ça le lieu secret. This is the secret place. D'ailleurs, ce jour-là, Gethsemane, that day on Gethsemane, il a séparé ça. He did separate that. Il marchait avec 11. He was walking with 11. Il a laissé 8. He left 8 dans le parvis. On the outside. 3 dans le lieu saint. 3 on the holy place. Il est entré dans le lieu très saint et
And he himself went in the most holy place and then closed the door. Il n'avait pas l'accès. It means that Peter didn't have access. Sauf celui qui était entré qui pouvait sortir. Only the one who entered can come out. C'est-à-dire en réalité, in reality, Jésus-Christ lui-même, Jesus himself, a respecté sa parole. He respected his word. Mais remarquez, but look, vous me suivez bien? Do you follow me? Remarquez comment est-ce qu'il dit à la femme samaritaine. Look what he's saying to the Samaritan woman. L'heure vient. The time will come. Elle est déjà venue. It is already come. Où le vrai adorateur. Where they will truly worship. Le Père en esprit. C'est-à-dire? We worship the Lord in the spirit. Il parle de la chambre. It means when he's speaking in the about the room. Et fermer la porte. And close the room, the door. Il ne parlait pas de la chambre comme ça. He was not talking about this room like that. Et la maison qu'il parlait. The house he was talking about. C'était pas n'importe quelle maison. It was not any kind of the house. Quand vous vérifiez Matthieu chapitre 7, when you check Matthew chapter 7, vous commencez la lecture à partir du verset 24. You start the reading from verse 24 going down. Le Seigneur explique la vie de l'homme comme la maison. The Lord is explaining the house of the life of man is a house. Je suis une maison. It means I am a house. Il est une maison. You are a house. L'autre là est une maison. And another one is also a house. Et cette maison est composée de parties. And that house has got many portions. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Tel que nous sommes ici, as we are here, il y a des parties. C'est-à-dire que ce soit le tabernacle, le temple, l'arche, toutes ces parties-là représentaient quelque chose qui est très important pour la maison. No matter what the portion is, the tabernacle and everything there, all of them were representing something which is very important today. Maintenant pour nous. But for us, prophet John lui dit que je suis la maison. Prophet John, will you talking saying that I am a house? Comment je dois entrer dans ma chambre? How am I going to enter my room? Comment je dois fermer ma chambre? How am I going to close my room? Comment je dois entrer dans les lieux secrets? How am I going to enter the secret place? Vous allez comprendre que beaucoup de gens viennent et prient, mais ils n'ont jamais entré dans leur chambre. You will understand that many people even though they do pray, they never enter the room. Fermer la porte. They never close the door. Parce que celui qui ferme la porte. Because the one closing the door. Il ne va plus attendre le bruit de l'extérieur. He's not going to listen to the outside noise anymore. Le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Or si vous priez à l'extérieur. If you pray outside. Avec tous ces bruits là. With all those noises. Dieu n'exauce pas. God doesn't answer. Quelqu'un va me poser la question. Somebody will ask me the question, prophet. The noise of the car. I'm not talking about those noises. Mais je vais vous faire comprendre que dans la vie de l'homme, I want to try to understand, make you understand that in the life of a man, there is also portion. Et c'est très important. And it's very important. Vous êtes rien vous qui êtes venu aujourd'hui parce que vous allez découvrir les secrets. Pourquoi les problèmes résistent? Pourquoi les combats résistent? Parce que la vraie réponse ne s'obtient pas au véranda, ni dans le salon à manger, mais la vraie réponse s'obtient dans les lieux secrets. Parce que c'est dans les lieux secrets que se cachent beaucoup de choses. You're going to understand today that the vrai. Je n'ai jamais traduit la Bible. Papa, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Dis seulement à nous que dans les lieux secrets, c'est là où se trouve la réponse. In the secret place where there is the answer. Secret place là, ça se trouve dans la vie de l'homme. Is the secret place is in the life of a man. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Le corps de l'homme, l'être de l'homme a combien de parties? The body of a man has got how many portions? Corps. There's a body. Âme. There's a soul. Soul and spirit. Quand je veux parler de parties secrètes. When I'm trying to speak about the secret part, I'm not talking about the body. Because the body is the place outside, the place of noises. When you pray, you stay in the body, in the flesh. God cannot answer you. Because it's the place of noises. Where there is envy,
J'entends le verset, Jacques chapitre 4. James chapter 4. Jacques chapitre 4. Évangéliste, prenez le verset D et descendez. Take verse 2 going down. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et impieux. Traduit, frère Jean. Alors, James chapter 4, verse 2. Verse 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. You desire and yet you do not have. Vous êtes meurtrier et envieux. You are murdering and coveting. Et vous ne pouvez pas obtenir. And you cannot get. Vous avez des querelles et des luttes. You do a fight and a struggle. Et vous ne possédez pas. And you don't possess. Parce que vous ne demandez pas. Because you don't ask it. Je ne sais pas si vous comprenez ça. I don't know if you do understand that. Tell me. Vous demandez. When you do ask. Et vous ne recevez pas. You do not receive. Parce que vous demandez mal. Because you are asking for a wrong purpose. Dans le but de satisfaire vos passions. So that you may spend it on your flesh desire. Do you see that? Seigneur. Lord. Comment dire, regarde. Tout le monde s'est marié. It's only me left. Everybody is getting married. Toujours comme ça. My family is still the same. Dieu dans le ciel ne peut pas exaucer les prières parce que tu es encore charnel. God in the heaven cannot answer those kind of prayer because you see fleshly. Là, il n'y a pas de amen. There is no amen. Seigneur, aide-moi. Donc celui qui est encore charnel, sensationnel, il n'est pas encore entré dans sa chambre. Somebody who is still fleshly and desirable, he didn't enter his room yet. Nous allons faire un exercice très important maintenant. Suivez-moi les soeurs baptistes, gardez les enfants. We're going to do some exercise very important. Follow me, don't be distracted. Est-ce que demander le mariage c'est mal? Asking for marriage is wrong. L'argent, c'est mal. Money is his drug. Pour satisfaire vos besoins, alors maintenant l'argent va satisfaire vos besoins. C'est là où je veux parler que quand les gens prient à l'extérieur, dans la chair, sans entrer à l'intérieur, la prière ne sera pas exaucée. This is where I am saying that if people are praying on the outside without entering the inside, then God is not going to answer that prayer. Je vais vous expliquer terre à terre pour que vous compreniez. I will explain to you simply for you to understand that. Là, je vois comme si tout le monde s'est perdu. I see that everybody are getting lost now. Example. Ça tombe bien ici. Nous sommes dans votre. Yeah, we are here in the Votre Carol. Si vous allez quelque part, vous allez trouver les filles. When you go somewhere there, you're going to find girls. Elles font de tout. They're going up and down. Si la voiture passe comme ça, elle tourne. If the house passes like that, it's going to keep running. And running. Qu'est-ce qu'elle cherche? What does she look for? Elle ne cherche pas le mari. She's not looking for a husband. Elle cherche l'argent. But she's looking for money. Je ne sais pas si I don't know if you do understand. Les prostituées ne cherchent pas le mari. The prostitute don't look for the husband. Mais allez voir une femme mariée à la maison. But go look a married woman in the house. Elle demande aussi l'argent. She does ask for some money. Mais sa demande c'est différent de celle des prostituées. A demand is different with those one of the prostitutes. La prostituée n'a pas besoin du mari. The prostitute doesn't need a man. That no. A man. Que tu sois long, cool, bold. You that might be beautiful. Son problème c'est l'argent. She doesn't care about it. She only needs money. What? Do you see that? Elle demande. She's asking. Mais elle n'a pas besoin du mari, mais elle a besoin de l'extérieur, de l'argent. She doesn't need the man, but she only needs the outside, the money. Tandis que la femme de la maison, but while the wife of the woman in the house, l'argent, when she's asking for money, cette demande c'est différent de celle de prostituée. This is a demand is different with those one of the prostitutes. Do you see that difference? Je prie, it's been that I pray, not comme the prostituée, not like prostitute. Ils remplissent les églises seulement pour voyager, pour avoir de l'argent, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a le vide. Ça, c'est une femme prostituée. Mais nous, nous demandons parce que nous savons qu'il y a un mari, un homme qui se trouve dans nous. C'est-à-dire que cette demande-là, c'est fait à celle d'une femme prostituée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Alors, regardez.
Look now. L'homme a commandé le parti. The man have got how many portions? I want you to go to explain, but we don't have the corps right now. We do have the body, the soul, and the spirit. Le corps fait quoi? What is the body does? L'âme fait quoi? What does the soul do? L'esprit fait quoi? What does the spirit do? Et où se trouve la chambre, ta chambre? And where is the room, your room? Où se trouve ta chambre? Where is your room? Un petit exercice. A small exercise. Vous êtes? Are you there? Jésus-Christ dit ceci. Jesus Christ said this. Les gens aussi m'entendent. Si un mauvais esprit. If an evil spirit leave a body of a man, follow that carefully. Est-ce que le mauvais esprit habite ce corps ici? That the evil spirit will dwell in this body. Vous allez voir le démon comme ça. You will see the demon like that. Il était dans l'homme, but he was in the man. Si un mauvais esprit sort dans le corps d'un homme, if an evil spirit comes out of a man, il part chercher le lieu du repos. He does go to look for a resting place. Dans les lieux amis. It's been a difficult place. But it doesn't find. Il va se dire, and he will say, je dois rentrer dans ma maison. I will go back in my house. Ça, c'est le maître des esprits qui parle comme ça. This is the master of the spirit who does speak like this. C'est ça le secret du combat spirituel. This is the secret of the spiritual fight. Il y a un lien qui existe entre la personne délivrée et le démon qui est parti. There is a link existing between the delivered man and the demon gone. Il peut rentrer. He can come back. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Many people don't realize that in their life. Ils prient. They pray. Paralytique. By ils jeûnent. Paralytique. They fasting by being. Ils ne savent pas que. But they don't know that. Il y a des réalités spirituelles dans leur vie. There is spiritual reality in their life. When the demon comes, he proves qu'il y a vide, and he found that it is empty. That means that when a demon goes out, that place needs to be filled. Donc si la place n'est pas remplacée par la parole, if the place is not filled with the word, then the rest is vide, and it stays empty. Le démon dira, and the demon will say, je dois retourner. I have to come back. Il va prendre les mauvais esprits. Sept, c'est-à-dire quoi? He will take seven evil spirits again. Le cas de cet homme sera pire. It means that the case of that man will be more difficult. C'est-à-dire que le corps de l'homme peut être la demeure de démon. The house of a man can be the dwelling of the demon, or the dwelling of God. Mais le démon demeure où? But now, where the demon does dwell? Does everyone following me? Suivez-moi. Follow me. Regardez. Look at this. Dieu créa l'homme. God created the man. Où se trouve l'homme? Where is the man? Dans la pensée de Dieu. In the thought of God. Avant que l'homme soit comme ça. Before the man being as he is. Avant que vous vous voyez comme ça. Before seeing yourself. Vous étiez dans la pensée de Dieu. You were in the thought of God. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Dans la pensée de Dieu. In the thought of God, l'homme n'a pas eu ce corps ici. The man didn't have this body here. L'homme dans la pensée de Dieu est esprit. Man in the thought of God, he is a spirit. Et spirituel. And spiritual. C'est-à-dire avant que tu sois comme ça, before being as you are, tu es spirituel. You are spiritual. Amen. Maintenant Dieu est descendu. Now God came down. Il décide, suivez. He came down, follow. Il décide quoi? He did draw. Un dessin. He did draw. Une image. An image. Cette image là. And that image. C'est pas véritable. It's not the genuine one. C'est l'explication de l'esprit qui est en Dieu. It is the explanation of the spirit which is in God. Maintenant Dieu souffle. Now God blows. Remarquez. Look. Entre Dieu et la poussière de la terre, c'est le souffle. Between God and the dust of the earth, he is the blow. Quand Dieu fait, when God is blowing like that, l'homme entre dans la poussière. The man enter in the dust. Vous avez la partie spirituelle. You've got the spiritual part. Et vous avez la partie matérielle. And you do have the material, the seeing part. And the man become a living creature. Vous avez you do l'homme, it. Esprit.
the spirit, a man spirit, and you do have the man physique. Do you follow me? Exemple, quand l'homme meurt. Example, when the man died. C'est l'homme véritable qui sort. The genuine man does go out. Le corps reste. And the body stays. Tu peux pleurer. You can cry. On amène cet homme, ce corps là dans les morgues. They take the body in the mortuary. Dans le cimetière. They put it in the coffin. On jette ça dans le puits. They put that in the Il n'est plus là-bas parce que. He's not there anymore because. Because the genuine man went back. Vous me suivez? Do you follow me? Maintenant le corps là. Now that body. C'est ce corps ici que nous portons. It is this body that we bear. C'est la poussière. It is the dust. C'est la chair. It is the flesh. C'est-à-dire ce corps ici n'est pas le véritable homme. This body is not the genuine man. Ce corps ici, c'est l'ombre du vrai homme. This body is the image of the genuine man. Donc si vous voulez voir, if you want to see l'homme, the man, on le voit par ce corps. They do see through the body. Mais ce corps ici, c'est pas l'homme. But this body is not the man. C'est l'explication de l'homme. It is the explanation of the man. Mais le vrai homme, but the genuine man, habite dans ce corps. That's dwell in this man. C'est ce que les Trinitaires ne comprennent pas. It is what the Trinitaires don't understand. Jesus, c'est le corps. Is the body. Yahweh, c'est l'esprit qui était dans ce corps. It is the spirit that was in the body. C'est ce corps là qui est appelé fils. It is that body which is called the son. Parce qu'il nous révèle le Dieu invisible. Because he does reveal to us the invisible Donc, God. Si vous voulez voir le Dieu invisible, voir ce corps Jésus. If you want to see the invisible God and see that body Jesus. Parce que ce corps Jésus. Because that body Jesus. C'est le corps qui vous révèle Elohim d'autrefois. It is the body that's revealing you the Elohim of before the time. C'est clair? Are we clear? Maintenant, l'homme là. Now that man. Je me lève. Are we be standing up? L'homme là spirituel. That man is spiritual. Brother, come forward. Brother, come forward. Chris, venez. Chris, come. Vous avez exemple. You have the example. L'esprit. The spirit. La. The soul. Le corps. And the body. Vous me suivez bien? Do you follow me? Mais ils forment un tout, c'est-à-dire un corps. That they make themselves one thing of stuff. Alors l'esprit. The spirit. Et l'âme. And the soul. Sont des parties spirituelles, invisibles, qui ne se voient pas. They are spiritual stuff, invisible that cannot be seen. Mais si se trouve à l'intérieur du corps. But which can be found in the inside of the body. Mais là, pour entrer dans la chambre. Now to enter the room. La chambre n'est pas dans le corps, dans la chair. The room is not in the body, in the flesh. Ni dans l'âme. Neither in the soul. C'est dans l'esprit. But in the spirit. C'est comme le parvis. It is like the outside door. Le lieu saint. The only place. Et le lieu très saint. And the most holy place. Est-ce que vous m'avez compris? Do you understand? C'est-à-dire quoi? What does it mean? L'esprit. The spirit. I don't know if everybody are following. Quand Dieu a soufflé. When God did blow. L'homme est devenu âme vivante. The man become a living creature. C'est-à-dire que Adam. It means that Adam. Vivait. Was living. Mais Dieu dit, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. But God said that the day you're going to eat the fruit, you're going to die. Et le jour où Adam mangea le fruit, il mourit. And the day Adam ate the fruit, he dies as well. Là, je n'interprète pas. They are not interpreting anything. Si vous voulez l'interprétation, je donne parce que Adam est mort avant que le jour ne termine. If you want an interpretation, I will tell you that Adam was dead before even the day. Vous n'avez pas l'explication. You don't have the explanation. Your brother and sister of the everlasting gospel, you have to understand because Adam did die the same day. One day is like thousand is like one day to God.
If somebody said to you that Adam didn't die the same day, you say to him, no, he died the same day. If he could have passed 1,000 years, God would have said, Elijah, but the Adam died on the same day. You can change the, also the color that is not dead. But he is dead. And that death, what does it mean? Follow me. Tu vois l'esprit là? You see that spirit est mort. Is dead. C'est-à-dire, it means il n'y a plus la communion entre Adam et Dieu. There is no link anymore between God and Adam. Si l'esprit est mort, la communion n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a la mort. If the spirit is dead, it means that the link, the communion, it doesn't exist anymore. It means dead. Suivez-moi. L'esprit. The spirit faisait la communion de Dieu et Adam. When linking God and Adam. Et Adam était comme ça vers Dieu. And Adam was like this in front of God. Quand il mange le fruit, when he eat the fruit, il commence à avoir la nudité. C'est-à-dire que l'esprit là, il a pris la communion entre Adam et Dieu. Donc la vie d'Adam est tournée vers l'extérieur. When he ate the fruit, he started to see the nakedness. It means that the link is not anymore, and the life of Adam is then toward the outside. And now Jesus Christ came pour donner la vie à l'esprit qui était mort, to give life to the spirit who was dead, pour rétablir la communion, to reestablish the link. Do you understand? Je m'appelle Jean-Willy. I am called Jean-Willy. Je suis né. Je suis. Ça, c'est pas l'esprit, ça, c'est l'âme. You say everything I am. It's not the spirit, it is the soul. Dans l'âme de l'homme, the soul of the man, c'est ça, ses pensées. It is his thought. Ses sentiments. His desires. Ses émotions. His feelings. C'est là où réside la colère, la haine, la jalousie. Tout ça se trouve là. It is where dwelling the hatred, hatred, jealousy, and the hunger. Everything is there. Maintenant, le corps fait quoi? What the body does? Le corps ne fait que. The body does only. Obéir à ce que l'âme. Obey to what the soul is giving. Maintenant, quand nous recevons la parole. And when we're receiving the word. La parole ne vient pas habiter dans l'âme. The soul, the word doesn't come to dwell in the soul. Dieu n'habite pas l'âme. God doesn't dwell in the soul. Dieu habite l'esprit. God dwells in the spirit. C'est tel que nous sommes là. You know, as we are here, nous avons la vie éternelle. We do have everlasting gospel. Nous life. Avons l'amour divin. We do have the divine love. We do have the love of God. Paix. We do have peace. Mais tout ce que nous avons, but everything we do se trouve pas dans ce corps. Is not in this body. Ça se trouve dans l'esprit. It is in the spirit. C'est-à-dire que l'esprit. It happened to you that you fight with somebody you feel shame. Allez tout de Dieu. It means that the spirit has got everything of God and the soul. Allez tout de l'homme. Have got everything of God. Brother Junior, are you understanding me? So na yambi yosabo molanga na yambi bonzambe na molimo. If I believe to God, He is, I trust Him and He comes in my spirit. But it doesn't take away my desire of the soul. It means that in the soul, there is the I. But the spirit, there is the life of God. And what the body does? The body does only what the spirit or the soul does tell him to do. A man can be baptized of the Holy Spirit. But if the spirit is weak and the soul dominant, il peut tomber au péché. And he can fall on the sea. Il ne tombe pas parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, mais parce que son esprit est faible. C'est-à-dire, si nous prions, si nous jeûnons, si nous restons dans la présence du Seigneur pour que l'esprit domine l'âme. He doesn't fall because he doesn't have the Holy Spirit. No, it's because his spirit is weak. If we're praying and doing everything we're doing, it is to make our spirit to be stronger. Est-ce que cela, c'est déjà arrivé que tu as la joie, tu pries, tu as la joie de Dieu, mais tu sors comme ça au ciel, tu peux au fil, tu au soir. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette lutte-là entre la parole de Dieu et le moi.
It happened to you already. You pray, you were happy, but when you go out, you are really angry. It means that there is always the struggle and the fight between the spirit and the soul. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Beloved, I urge you as a foreigner and temporary resident to keep abstaining from fleshly desires which wage war against you. Maintenant, qu'est-ce que la parole vient faire dans la vie d'un homme? What the word does come and do in the life of a man? Hébreux chapitre 4, verset 12. Allons-y. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. For the word of God is alive and active, powerful. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. And is sharper than any two-edged sword. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. And pierces even to divide of soul and spirit. Jointure et moelle. C'est-à-dire from the marrow. La parole, son rôle, c'est de partager l'âme et l'esprit. The role of the word is to divide the spirit and the soul. Follow me carefully. La prière ne peut pas être efficace. And the prayer cannot be stronger. Si l'homme n'est pas capable de surpasser ses émotions et d'aller dans le lieu secret. If the man is not able to overcome his emotion or sentiment to go in a secret place. Parce que la chair ici. Because the flesh here. Est toujours soit dirigé par l'esprit ou par l'âme. Is either directed or instructed by the soul or by the spirit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, when we receive the Holy Spirit, le Saint-Esprit n'habite pas ce corps. The Holy Spirit doesn't dwell this body. Le Saint-Esprit n'habite non plus l'âme. The Holy Spirit doesn't either dwell in the soul. Mais le Saint-Esprit habite l'esprit. But the Holy Spirit does dwell in the spirit. Le Spirit rend témoignage à notre esprit. The Spirit does testify our spirit. Mais dans l'âme de l'homme, but in the soul of the man, il y a ses émotions. There is his emotions, ses sentiments, his feelings. Quand je parle de la chambre, c'est-à-dire quoi? When I am speaking about the room, what does it mean? Vous devez être capable de dépasser vos émotions et d'entrer dans la chambre, c'est-à-dire faire une prière spirituelle, parce que un homme charnel, sa prière ne peut pas être exaucée. We must be able to enter the room and pray because a fleshly man and his prayer cannot be answered. Et c'est un exercice, je vous dis bien, suivez-moi. It is an exercise, I am telling you the truth. C'est un exercice de tous les jours dans la vie de l'homme sur cette terre. It is an exercise of every day in the life of a man on the earth. Tu peux prier. You may pray. Tu jeûnes. You may fast. Mais les émotions de l'homme résistent toujours. But the emotion of man does always resist. Si nous écoutons la parole, if we listen to si the word, prions, if we pray, dans un domaine spirituel, in a spiritual, un homme spirituel, fort, a spiritual man who is strong, peut maîtriser les émotions, can overcome the emotion, peut maîtriser sa chair, can overcome his flesh. Voilà pourquoi Christ dit, that is why Christ said, la prière ne peut pas se faire à l'extérieur. The prayer cannot be happening outside because outside there is noises. Ma vie ne marche pas. My life doesn't work out. J'ai passé l'âge. I am over age. L'homme prie. But the man prays. Jesus Christ, I bless il you. Il n'a pas besoin de prier. Yes, yes, yes. Because there God doesn't answer. Parce que l'extérieur. Because the outside. C'est ce que vous voyez. It is what you see. Les émotions. The emotions. Coronavirus, on a dit quoi? Coronavirus, what they say? Il y a une espèce de la fuite du site qui dépasse. There is a variant of ça, that comes to the power. This is the noise of outside that we're listening. Je vous dis tant que l'homme vit pas sur la terre. I am telling you, as the long, the man will live on the earth. Toujours de mauvaises informations qui sortiront pour te décourager. Mais celui qui est capable de ne pas prier dans la chair, à l'extérieur, entrer à l'intérieur, va surmonter tout ce bruit.
There will be always noise, bad news that is going to discourage you, but the one who is able to overcome that will be able to enter the room and then pray. C'est-à-dire, les difficultés sont là. The difficulties are there. Les épreuves sont là. The testing are there. Mais si nous sommes là à l'extérieur, but if we are there outside, si nous attendons toujours le bruit de l'extérieur, if we keep listening the outside noises, on va pas prier. We are not going to pray very well. Et le diable nécessitera toujours des bruits. And in all, the devil will always raise noises. Tu pries? You pray? Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qui a changé? Since you started praying, what did change? Tu ne vois pas ce qui est arrivé. You don't know what is happening there. Vraiment. Tu pries pour rien. What are you praying for? Nothing. Tu ne connais pas. C'est-à-dire, tu vas toujours entendre des bruits. You will always hear those noises. Why many people don't pray in the perseverance? Because they're still outside. Je te bénis. He said, I bless you. La tête passée. He had a thought. Tu l'as normal. Just leave it. Depuis que tu as commencé à prier. Since you started praying, quelle est la réponse? What is the answer? Tu ne vois pas la sœur là. You don't see that sister. Elle ne prie pas bien. And does he pray very well? God didn't answer toi, you. Why you? C'est le combat de ta femme. It is the fight of your family. C'est-à-dire que it's me. Quand tu pries avec ce bruit là, tu es encore à l'extérieur. When you pray with those noises, it means that you are still outside. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Do you understand what I am saying? Là, vous n'êtes pas encore entré dans la chambre. Then you are not in the room yet. Oh, celui qui prie à l'extérieur, the one praying outside, il peut jeûner 40 jours. He can fast 21 days. Il verra toujours les choses de l'extérieur. You will see always the thing of outside. I want to see somebody who goes out of the outside. It means that he is there, but he's not outside anymore. Frère Paul dit, but Paul Abraham said, n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Parce qu'à l'extérieur comme ça, il ne croyait pas que Sarah pouvait encore concevoir. Mais il est entré à l'intérieur. Il a fait confiance en Dieu qui donne la vie au mort. Abraham didn't consider that he was already used, that his wife was old enough to have a children, but a child. But he trusted God and went deep and received what he wanted. La force de prière, the strength of prayer, c'est entrer à l'intérieur. He didn't enter the prayer. Non, il est entered in the second place. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Chaque victoire, each victory, si aujourd'hui tu peux vaincre. If today you can overcome, tu peux recevoir une victoire. You might receive a victory. Tu peux réussir. You might success. The reasons for failure. C'est-à-dire que celui qui prie encore à l'extérieur, the one who still prays outside, les émotions, the emotions, la chair, the flesh, il ne peut pas. Cannot go forward. Il ne peut pas palper Dieu là. He cannot touch God. Le secret d'entrer dans la chambre, c'est tout le monde. I am giving you the secret to go into the room. Everybody do understand. Abraham. God said, Abraham, I will come back. Sarah. We left a son. And he left. Sarah, qui était là-bas? Sarah was there. Est-ce que and he's the truth that he's talking about. But Paul is saying, la vie de Sarah, le corps de Sarah. The life of Sarah, the body of Sarah, were unable to conceive. C'est-à-dire que quand vous regardez les choses à l'extérieur comme ça, when you see anything outside that day, on se limite. We are limited. Parce que là, il y a des bruits. Because there is noise. Le diable exploite les choses de l'extérieur pour nous faire tourner vers les choses que nous voyons. Mais la parole de Dieu veut nous amener à l'intérieur, dans les lieux secrets. Et Dieu ne commencera pas quelque chose d'extraordinaire dans ta vie si tu n'es pas capable d'entrer dans les lieux secrets. God will not start an extraordinary stuff in your life if you don't enter the secret place. Le problème, ce n'est pas de refuser le bruit. The problem is not to refuse the noise. Tu vas entendre le bruit. You will hear the noise. Mais tu ne prieras pas à l'extérieur parce que Christ t'a dit d'entrer dans la chambre. But you're not going to pray outside because Christ said to you to enter in the room. And it is clear, he said, in the secret place. Because in the room there is no noises. May the Lord bless you. He take Israel and then say, let go. And they started to run. Moses. God said, keep quiet. It is in the secret place that he is intervening.
Il appelle Israël. He called Israel. Je vous donne Jéricho. I am giving you Jericho. Dieu ne dit pas que je vais vous donner Jéricho. He didn't say that I will give you Jericho. J'ai livré Jéricho. He said I gave you Jericho. Mais Israël regarde comme ça. But Israel looking like that. Le mur est toujours fermé. And the walls are closed. Pour marcher avec Dieu. To walk with God. Il faut sortir de l'extérieur, entrer à l'intérieur, parce que c'est là qu'il y a la réponse. You have to go out of the outside and enter inside, because this is where the answer is. C'est un exercice que je vous amène à faire. It is an exercise that I am taking you to do. Si vous priez à l'extérieur, if you're praying on the outside, vous allez faire des prières charnelles. You're going to do a fleshly prayer. Et dans notre évangile, nous disons, and in our gospel we say, la prière, the prayer. Supportez-moi parce que je suis un frère de l'Assemblée des Saints. Bear me because I am a brother of the Assembly of Saints. Ce n'est pas Robert qui parle. It's not Robert who is speaking. Neither Jeremiah, neither Fabrice. Because if John really speaks, God cannot answer. Because God doesn't answer the man. But it is God who's putting his word in your mouth. Maintenant, si je suis à l'extérieur, now if I am outside, je vais voir quoi? What am I going to see? My life. J'ai fait 14 ans à Afrique. I've got 14 years in the South Africa. I don't even have a memory. But the one came after me. 6 months only I got the status. Seigneur, je prie. Lord, I'm praying. Les autres sont venus après. Some came after. There you are still outside. Seigneur. Lord. Moi, je n'ai pas d'enfants. I don't have children. Mais les frères là, but that's brother, you still outside. La prière, il faut oublier les choses que vous considérez, mais entrer à l'intérieur, considérer ce que Dieu veut pour votre vie. The prayer is to forget whatever you see outside, but enter inside and see what God is considering for you. Et si tu entres, tu fermes. And if you enter, you have to close so the noise of the outside doesn't follow you. Là, tu peux prier 3 heures du temps sans regarder même l'autre. There you can pray 3 hours without even checking your watch. Mais celui qui prie à l'extérieur. But the one praying outside. 5 minutes. 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Donc, si à gauche quelqu'un crie, il ouvre encore le. If on the left side somebody shout and then open the eye and look. And then checking it out this time is a very you're still outside. The preacher is taking time to reach the Lord. The Lord, you are almighty. And open the eyes. That you're still outside. Can we enter? Nous pouvons entrer. Can we enter? Nous pouvons entrer. Can we enter? Can we enter? Can we enter? C'est que nous pouvons entrer à l'intérieur. It means that we can enter in the inside. Sortir de l'extérieur. And get out of sight. Oubliez que je suis sud-africain, je suis congolais, et ma vie ne dépend pas de ce monde, mais ma vie dépend de la parole. C'est-à-dire que vous sortez des émotions charnelles, vous entrez dans un domaine spirituel. Dieu vous donnera des mots qu'il faut. Dieu vous donnera des phrases qu'il faut. Forget that I am South Africa or I am Congolese or whatever. It means that God will give you, you have to get out of what you are. God will give you the word to pray. Moi, je vis dans la Bible quelqu'un. I saw in the Bible somebody. Une sœur dans sa bouche. A sister in his mouth. Maman, je veux que le Seigneur vous apporte l'intelligence parce que je termine. I want God to give you the intelligence because I'm finishing now. Dans sa bouche, elle dit autre chose. In his mouth, he's still saying something else. Veuve de Sarepta. The widow of Sarepta. Son fils est mort. His son is dead. Elle parle chez le prophète. But he went to the prophet. Mais dans la bouche. But he did the mouth. Qu'est-ce qu'elle a dit? What did he say? Pourquoi tu es venu révéler les souvenirs de mon péché? Why did you come to reveal the souvenir of my sin? Ça signifie quoi? What does it mean? Ça signifie rien. It means nothing. Mais le prophète. But the prophet. Ah, understood. La femme synamite. The synamite woman. S'est prosternée devant le prophète. Kneeled down in front of the prophet. Elle a dit. He said. She said. Je t'ai demandé un enfant. Am I going to ask for a child? Ne t'ai-je pas dit? Didn't I say to you? Ne trompe pas ta servante.
Don't lie your servant. And she stops there. And the prophet understood. And that she lost her son. They didn't understand. It's not for nothing I was saying God to give you intelligence. Did you understand? Son fils est mort. His son is dead. À l'extérieur. Outside. Il y a la mort. There is death. Mais quand elle arrive chez le prophète. But when he arrived to the prophet about the prophet. Mon fils. He didn't say my son. Pourquoi tu es venu révéler? Why? Why did you come to reveal the souvenir of sin? What is spoken in the outside? It doesn't have to do anything with the death. But the prophet understood that the child is dead. Le fils est mort. The son is dead. Mais la veuve. But the widow. Pourquoi tu es venu révéler le souvenir? Why did you come to reveal the souvenir of the sin? Le fils est mort. The son is dead. Mais la femme de Sunamite dit quoi? And the Sunamite woman, what does she say? Est-ce que moi je t'ai demandé un fils? Did I ask you for a child? Ne t'ai-je pas dit? Didn't I say? Ne trompe pas ta servante. Don't lie to yourself. Essaye d'arrêter là. She stopped le there. Le prophète a compris. But the prophet understood. Ce que nous disons dans nos bouches peut-être. What we say in our mouths. Ça ne va correspondre à ce qui est dans nous. May not correspond what is in us. Mais si nous sommes à l'intérieur. But if we are inside. Dieu est capable. God is able. De répondre même à nos folies. To answer even our foolishness. Il y a des fois je me dis je suis Jésus. Mais il comprend pourquoi j'ai dit Jésus. But he does understand why I say Jesus. Je veux que vous sortez de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? I want you to go out of the outside. Do you understand? Parce que si vous considérez des choses de l'extérieur comme ça. If you do consider, the outside things, you are not even going to practice the thing of spirit. Many people have got gift of prophecy and visions. They say, if I speak here, what people do consider mostly outside. Of the place. À l'extérieur, il y a trop de bruit. Outside, there is many a lot of noise. The devil does lie to us a lot. Vous avez compris ce que je dis? Do you understand what I say? Le corps de l'extérieur, c'est la chair. Meaning the body from the outside is the flesh, it is the dust. Elle est toujours une forme vide. It is formless and empty. Mais il faut entrer à l'intérieur. But you have to enter inside. Listen to me carefully. Je n'ai pas l'argent. I don't have money. Mais je ne crierai pas. But I'm not going to shout. I will enter in the secret place. Parce que ce que je vois à l'extérieur, because what I am seeing outside, c'est pas vrai. Is not true. Est-ce que tu veux comprendre comme ça? Do you want to pray like that? J'entre à l'intérieur. I enter in the inside. Parce qu'à l'extérieur, tu auras toujours peur de ce problème, de difficulté. In the inside, you're going to have always the difficulty. Je vous dis que le diable va toujours susciter des épreuves pour te faire basculer. Vers sa volonté, parce qu'il y a des fois. I am telling you, the devil will always raise stuff to make you shake. J'étais d'accord avec un homme de Dieu qui a dit. I am together with the man of God who said. Les gens ont la facilité de dire que cette pensée vient du diable. The people have got the ability to say that thought coming from the devil. Les gens discernent plus les pensées du diable que les pensées de Dieu. People do understand mostly the thoughts of the devil than the thoughts of God. Et je suivais un serviteur de Dieu qui a dit. And I did follow a servant of God who said. Si je prie pour que le Seigneur dirige l'église de Peru. If I pray for the Lord to lead the church of Peru. Lord, dirige Peru. Lead the Peru. Réponds à la question of Peru. L'ange ne va pas descendre. The angel is not going to come down like that. Dieu va donner une pensée dans le docteur Jason. God will give a thought to the teacher Jason. Organisons la prière. Let organize the prayer. This is the answer of God. I want to bring you in a school that to understand how to practice the thing of God. Teacher Jason can be there and then they receive a thought.
Nous allons faire la prière de 21 jours. We're going to pray for 21 days. It's maybe the answer to the prayer of Sister Denise. Peut-être celle Sandra a prié pour l'église de Pérou. Dieu a envoyé une pensée chez Docteur Jackson. Évangile ferroviaire prêche. Ça veut dire que Dieu parle comme ça, mais si nous restons à l'extérieur, Dieu va nous échapper. A sister can pray, and then God will send the thought to the teacher of the church, and then he will send somebody to preach or to pray, and it is how God does work. Somebody asked me the question, Prophet, how are you feeling? You're speaking about that sister. What do you see? What do you feel? God does speak to people also like that. Because people are mostly the outside. They don't exploit that. Do you understand that? Parce que c'est pas normal. Une église ne peut pas faire 5 ans, 10 ans sans que les gens parlent la langue, que les gens prophétisent. It's not normal because the church cannot have 5 days, 5 or 10 years not having the gift of speaking of the tongue or vision or whatever. Ils ne savent pas exploiter la puissance de Dieu. Because the people don't understand how to exploit the power of God. Somebody said, oh, I saw that. Because people are mostly outside. Do you understand what I'm trying to say? You may stand like that. You didn't think anything. But the thought comes. It is God speaking to me. When God is speaking, you need to be inside. So understand this all. Voilà l'école que nous allons faire. This is the school that we're going to do. Pour la fin de cette école que les gens se découvrent. For the end of the school, people may discover themselves. Tu vas découvrir le potentiel que Dieu a placé dans toi. You will discover the ability, the potentiality that God has put on you. Je priais pour le grand frère du pasteur Boris. Il me suit. C'était à Boutelbourg. I was praying for the elder brother of the pastor Boris who's following me now. Il avait le problème de la prostate. He had a problem of the prostate. Il saignait. He was bleeding. Dieu a fait grâce. God gave grace. Il était guéri. And he was healed. Il est venu me voir. He came to see me. Il a commencé à m'expliquer comment est-ce qu'il travaille dans la magie. And he started to explain to me how they do women in the magic. Parce que ce grand frère là était dans la magie. Because the elder brother was in the magic. Mais j'ai compris qu'ils ont la confiance au diable plus que beaucoup de gens qui prient. I understood that they do trust in the devil more than those people are praying. Ils font aussi des jeûnes. They do fast as well. Il m'a expliqué au prophète voilà comment est-ce que nous faisons le vôtre. He said to me, c'est-à-dire, how we doing, but your God is a part. Entendre Dieu à l'intérieur. Listening God inside. Entrer dans la chambre. Enter in the room. C'est là que Dieu parle. It is where God has been. C'est ça le secret de changement de beaucoup de choses. Est-ce que vous me suivez? It is the secret of changing of any many things. Do you follow me? Frère Emma, tu me suis? Brother Emma, are you following me? Frère Eric, tu me comprends? Brother Eric, do you understand? Je peux sortir comme ça, Frère Eric, dans le moment. I can go outside driving. Dieu ne dit pas cette route. God said to me, take this road. That's or not this road, take the other one. Entrer, tu peux entrer. A trick and enter. Pas ça. I always say not this one. C'est-à-dire que Dieu nous parle. It means that God that speaks. Mais nous t'attendons beaucoup parce que nous sommes toujours à l'extérieur. But we always shaking because we are outside. Voilà cause de nos échecs. This is the cause of the, our failures. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je veux que vous sortez de l'extérieur. I want you to get out of the outside. Entrez à l'intérieur. Enter in the inside. Sortez de la chair. Get out of the flesh. Ce que je ressens, ce que moi j'ai je ressens. What I do feel. C'est pas ce qui est important. It is not what is important. Mais c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est. It is what is inside it is important. Moïse a reçu la loi tout tremblant. Moses received the law shaking. You say, God, I'm asking the question, but God did already spoke to you. Je donne toujours le témoignage d'un frère. I always testify to a brother. Il était en Angola. He was in Angola. Carrière de diamant. Looking for diamond. Il a travaillé, rien ne marchait. He worked, nothing happened. He worked, nothing happened. Oh, il a su diamant, l'autre, mais lui, mais un jour il a. Everybody taking diamond, but not him. But one day he go back in Congo. He went back in Congo. Auto et Congo. And he left. He started a driving school. C'est là qu'il est devenu boss. He is where he become a boss now.
Nous échouons, c'est parce que nous marchons par des sentiments extérieurs. We failing because we are walking in with the feeling of the outside. Comme là-bas au Congo, nous connaissons le loufou déjà dans nous. Like in Congo, when they say loufou, everybody goes there. Canada, everybody goes there. United States, everybody goes there. Europe, everybody goes there. Ville, c'est États-Unis. Qui t'a dit ça? Your life is a gift. Who said to you, it's God? C'est Dieu? Is it God? Parce que ta vie ne dépend pas de l'extérieur. Because your life doesn't depend from the outside. J'ai toujours dit Seigneur. I always say Lord. Là où tu veux que je sois. Where you want me? You want me to be? Ça sera meilleur. It will be good for me, better for me. Mais nous échouons beaucoup, c'est parce que we fail so much. You go. We are always outside. À l'extérieur. Outside. Dubai. Dubai. Everybody is at China. Everybody is at people are looking for life. Vous avez la vie. You do have life in you. Vous avez Dieu. You do have God. Il peut vous inspirer quoi faire pour la réussite de votre vie. He can inspire you what you have to do for the success of your life. Il y a quelqu'un qui peut vendre rien mais il réussit. Somebody can sell nothing and then succeed. J'ai un frère, mon fils, il est prédicateur à l'église de Bengala. Peut-être un monsieur. Il est devenu millionnaire de dollars, mais par le facteur qui produit. Pharmaceutique seulement. C'est-à-dire que si Dieu, si nous écoutons Dieu réellement, non à l'extérieur, nous allons vivre le miracle dans notre vie. Et à chaque difficulté, il pourvoira. À chaque obstacle, il viendra intervenir. Mais si nous considérons toujours les choses selon le monde, ma carte économique combien? 650 000. Alors aujourd'hui, à quel temps nous serons en tout cas? Qu'est-ce qui va arriver là que c'est à l'extérieur? Je vous interdis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, fermez les oreilles à l'extérieur, entrez à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ce que Dieu dit. À l'extérieur, c'est ce que les gens disent. Ce que les journalistes de ce monde racontent, ce ne sont pas des choses vraies. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Le créateur de ce monde, ce temps-là, il avait dit à Noé, entre dans l'arche. Si vous allez demander aux gens de météo, ils vous diront, il n'y a pas la pluie. Quand il avait dit à Lot, entre, sortez de Sodome et Gomorrhe, météo ne dira pas, nous avons eu des gouttes de feu. Jamais. Ça dit, vous ne demandez pas des choses de l'extérieur, montrez à l'intérieur. Vous pouvez croire à ça? Vous pouvez croire à ça? Traduit, entrez à l'intérieur. Jamais, entrez à l'intérieur. Enter in the inside. Sortez de l'extérieur. Get out of the outside. Entrez. Enter. Vous avez compris, entrez dans la chambre. Do you understand? Entrez. Enter. Nous voulons maintenant entrer dans la prière. We want to enter in the prayer. On a beaucoup appris coronavirus. We learn a lot about the coronavirus. Il y a le travail. There is no work. Tout s'est arrêté. Everything has stopped. Il y a le vaccin. And the vaccine. La vie ne va plus marcher. The life is not going to go ça forward. This is the outside. Enter in the inside. Le médecin a dit. The medicine, the doctors are saying. 2021. Ça, c'est l'extérieur, l'entrée à l'intérieur. This is the outside, enter inside. J'aime voir les gens qui ne vivent pas selon l'extérieur, mais selon l'intérieur. I like to see donc people living from the outside, right from the inside. Entrons maintenant à l'intérieur. Let us enter inside now. Tu peux changer ta vie. Can you change your life? Ce soir. To that tu peux night. Changer. Dieu veut que tu puisses entrer à l'intérieur. God wants you to enter inside. Prends une position pour prier là où tu seras à l'aise. Take a position that you're going to pray to be. Je ne sais pas le sujet de prière. I'm not giving you a request of prayer. Tu vas prier. You will pray. Tu sais ce qui te maintient à l'extérieur. You know what is keeping you an outside. Souci de mariage. Worry of marriage. Souci des enfants. Worry of children. Souci de l'argent. Worry of money. Souci de quoi? Worry of what? Souci de ton mari. Worry of your husband. Entre maintenant à l'intérieur. Enter in the inside. Dans le secret. In the secret place. Nous allons prier. We're going to pray. Chacun de nous va prier. Each and everyone will pray. Selon le message que Dieu lui a donné. According to the message that God gave. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. In the name of the Lord Jesus Christ, let us pray.